Sutura signifie en Bambara intimité et discrétion. Concrètement, c'est la première marque de protection périodique réutilisable au Mali. On existe depuis juin 2019. Nous sommes issus d'un foyer d'entrepreneurs et l'entrepreneuriat a toujours été une vocation pour nous. Donc quand la question de la précarité menstruelle s'est posée, on s'est tout de suite dit pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat dans ce domaine précis. Alors nous avons perçu le problème lors de la rédaction de notre mémoire de fin de cycle en 2018. Nous avons remarqué qu'énormément de femmes arrêtaient d'aller à l'école à partir du moment où elles avaient leurs premières règles parce qu'elles n'avaient pas de protection périodique convenable. Nous proposons des produits d'hygiène menstruelle, mais plus particulièrement des serviettes hygiéniques réutilisables qui sont en fait la superposition de différents types de tissus. Ce sont des serviettes qu'on peut utiliser en moyenne 2 ans. Mais kuma do bara fanga be bunya ame chayani mogo ta ame do fara mogo ga ka jate mne fana parce que soro manana na tike kanga go safne ni ure javel la mala na soro nu kele no tike go ure javel ni safne na nu klalo la teni mi be bara ro la ni obe donga kala like donc ini fini me bosu kala est ce que be ga fini changer wa be teni doa be samara doa samara me donga kala like kana le soro na soro nu kele nu ka machum nettoy ure javel la na klalo fana na flana est-ce que Barabega ke a air la me wuli ka geru la ka jate nege na solo ni finition me ka ke bara la ni mi nga finition te ga ka kuma ofe wala sa wa se ka finition regle to gumna donc a sabana me kla ale sokoma ni o jate ne fana ke nan na ma ama la tuni chini en ka nga preparation mi nge kalali mi nge chini ka le ka beka etap di ma ke lingi beka atui akila comme ça sokoma nanana barab se ka ke ntele ay to gumna. Alhamdulillah, malatanu ala en son patron mona lu era folori benan joie so ko mara fe buna motivé barado barato be akilna nyuma dama donc akela comme patron era établi avec comme balmaya en balma muso de don ami alatanu. Aujourd'hui, 75% de notre matière première provient de Turquie, mais 25% proviennent du marché malien, grâce notamment à l'ONASR, l'Office national de la santé sexuelle et reproductive, mais également grâce au programme IPAS. Nous avons pu bénéficier de l'assistance technique d'un expert en textile provenant de Tunisie, qui nous a vraiment aidé dans l'amélioration de la qualité de notre produit, mais également faire un sourcing local pour améliorer la qualité du produit. On ne s'est pas limité uniquement au contrôle des qualités parce qu'on s'était dit que c'était aussi notre devoir de les accompagner en termes vraiment de conseils. Au moins pour la première utilisation quand même, celle qui va bénéficier de ces serviettes-là puisse être sûre vraiment de la qualité et qu'on soit rassuré que ces serviettes-là n'apportent pas de micro-organismes à l'utilisatrice. À la suite de notre proposition technique à Sutura, Sutura a bel et bien pris en charge ces propositions pour une meilleure imprégnation et une bonne imprégnation effectivement des menstrues chez la jeune fille. Aujourd'hui, en termes de qualité, les serviettes hygiéniques Sutura répondent aux besoins qualité. Alors nous travaillons avec les écoles, notamment vers les jeunes filles, parce que nous nous sommes rendus compte que c'est là où nous avons les premières expériences avec nos règles et nous sommes indéniablement sûrs que c'est à partir de là qu'elles pourront changer de paradigme, notamment en éduquant la nouvelle génération à de nouvelles pratiques d'hygiène.
Les serviettes hygiéniques jetables, par exemple, mettent plus de 500 ans à se biodégrader dans le sol. Les nôtres sont réutilisables, on peut les utiliser pendant 2 ans. Et à côté de ça, lorsqu'on jette la serviette hygiénique, elle peut être biodégradée dans le sol, donc elle est beaucoup plus responsable. On espère que dans 10 ans, on pourra augmenter notre capacité de production, faire une remontée de filière et pourquoi pas exporter à l'étranger et avoir des serviettes Sutura de qualité pour toutes les femmes africaines.